Dimanche 10 novembre 2024, composition 3 étoiles, séjour facile. Ah bah voilà, bah finalement plus on joue et puis plus ça vient, c'est bon. Bah là, je vois pas de grosses fautes dedans, hein. Il n'y a pas eu grand-chose, hein. Vraiment, je suis content parce que j'ai failli garder celle d'avant et puis j'ai vu que j'avais oublié d'allumer un micro. J'avais mis déjà 9, je crois. Allez, je vais mettre 10 parce que vraiment c'est un concours de circonstances que je l'ai rejoué et je pensais garder celle d'avant où il y avait quand même 2-3 fautes, mais là il n'y en a pas. Alors... Bon ben voilà, il faut que j'exprime ma joie d'une façon ou d'une autre. Alors, dis ça. Alors, il me semble que ce morceau a une espèce de particularité quand même, qui est en même temps sa force et sa faiblesse, c'est que la mélodie se retrouve noyée dans un flot de notes de main gauche, et que c'était difficile, même en jouant la main gauche moins forte, et la main droite un peu plus, de faire ressortir la mélodie. Donc des moments, on a l'impression qu'on l'entend plus trop, on est obligé de faire attention, de dresser l'oreille pour mieux entendre la mélodie et pas qu'elle soit noyée. Alors c'est bien et en même temps, ben c'est peut-être un peu trop. Alors bon bah j'ai réussi à vraiment bien le jouer, ça je suis content, mais pour le morceau lui-même, le plaisir que j'ai à l'écouter, là pour l'instant je mettrais plutôt 8. Alors, bon, il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire par rapport à la façon dont il était fait. On pouvait peut-être pas faire beaucoup mieux, mais j'ai connu des moments avec des morceaux plus mélodieux que ça et plus inspirés. Là, bon, les deux mains jouent dans la même tonalité. On passe d'une tonalité à une autre, c'est quand même très carré au niveau suite d'accords et puis au niveau du rythme, il n'y a rien de spécialement grandement original. Il marche bien quand même, voilà, normal. Wow, je sais pas si c'est ta course folle de la veille qui t'a libéré, mais de ta compo et de ton interprétation, on sent une forme de lâcher prise. Je crois pas au concours de circonstances. Ta réussite, tu l'as provoquée, c'est parce que tu crois que ça marche. En plus, t'as pas choisi la facilité, le morceau est difficile et pourtant, ça paraît si simple quand tu joues. J'ai trouvé ça époustouflant. Donc, un morceau exceptionnel, je vais mettre une note spéciale, je vais mettre 11.